Avec 42 000 habitants, Saint-Priest est la quatrième ville du Rhône. La commune s'est développée en préservant une répartition équilibrée de son territoire. Aujourd'hui encore, sur ses 3 000 hectares, un tiers est dévolu à l'habitat, un autre à l'activité économique, un dernier tiers enfin aux espaces agricoles, naturels et boisés. Au carrefour d'un réseau aérien, ferroviaire et autoroutier européen, facilement accessible en voiture et en transport en commun, Saint-Priest s'affirme comme l'un des axes essentiels du développement de l'Est lyonnais. Avec une base industrielle ancienne, mais toujours bien vivante, et l'arrivée d'entreprises modernes dans des secteurs porteurs comme le high-tech, Saint-Priest a un développement économique remarquable. La ville fait aujourd'hui le double pari d'un développement industriel de haut niveau, dont le parc technologique de la Porte des Alpes est le dernier fleuron, et d'une qualité de vie préservée grâce à un environnement naturel partout présent et des constructions respectueuses de l'environnement. Saint-Priest est forte d'un réseau important et diversifié de PME-PMI et de grands noms de l'industrie nationale et régionale appartenant à des secteurs variés. Des entreprises principalement installées sur deux zones industrielles. Le secteur secondaire fournit l'essentiel des emplois et le secteur tertiaire est en constante progression grâce au développement des activités de service. Saint-Priest abrite une vie commerciale importante. On y trouve plus de 350 commerces de détail, cafés et restaurants, et une zone commerciale importante qui accueille les principales enseignes de la grande distribution. Parallèlement, les marchés de la ville demeurent une valeur sûre. Entre vie urbaine et vie rurale, Saint-Priest reste une ville à taille humaine dont la qualité de vie est reconnue par ses habitants. Avec des réserves foncières importantes, une situation géographique idéale et un tissu économique dynamique et innovant, l'avenir de Saint-Priest est prometteur. Place maintenant aux rencontres de l'initiative économique.